Alors tout le monde, voici Champion MCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Ok, criquet. Je sais que gars, j'avais dit qu'il y aurait une vidéo importante, plus sérieuse. Finalement, j'ai décidé de changer ça un peu. Parce que nous sommes la semaine de relâche. Oui, on se souvient, nous sommes la semaine de relâche. On est peut-être samedi. Je me suis dit, tant qu'à faire des affaires sérieuses, je suis bien de profiter de la semaine de relâche, tout simplement. Et c'est ce que je fais. Je profite de la semaine de relâche en ce moment. Parce que c'est plus agréable de regarder une vidéo de jeu que autre chose. C'est pour ça que jeudi, j'ai mis la vidéo de musique. Qui est tout simplement la vidéo de Upcore, les meilleurs moments, mais c'est uniquement la musique et rien d'autre. Quand on dit que Upcore, c'est le tout, tout simplement. Puis je voulais le mettre à quelque part, puis ce que j'ai fait, l'ai mis à quelque part. Autre raison aussi pourquoi que je veux faire Clash of Clans aujourd'hui, il y a la semaine de relâche, mais il n'y a pas juste la semaine de relâche parce que lundi, okay, ça fait plusieurs jours là, de cela. Vous êtes peut-être au courant, mais lundi, il y a eu une nouvelle mise à jour. Et oui, ça fait un petit bout que j'étais au courant. C'est la mise à jour du printemps. Printemps au début de mars. Quand nous sommes encore en hiver. Très intelligent. On n'oublie pas que le printemps, c'est le 21 mars. Puis, en parlant du printemps, sachez que cette nuit, si vous écoutez aujourd'hui, oubliez pas de changer votre heure, d'avancer votre heure de 1 heure, parce que oui, on change l'heure. Effectivement. Un petit rappel de même, vu que j'y pense. Sinon, la maison des ouvriers de niveau 8 est arrivée avec de nouvelles armes. Le super pick et la méga Tesla, qui est là. Un marchand arrive dans votre village principal avec toute une section de marchandises mystiques. La mise à jour compte aussi de nouveaux objets magiques, de nouveaux défis pour les jeux de clan, et encore bien plus. Là, ma stratégie. Voici ce qu'il y a de l'heure, la maison des ouvriers de niveau 8, qui prend 5 jours. La Tesla. Oh, en plus, tu... Une autre tour de Tesla en plus. Oh mon dieu. Un autre double canon. J'avais pas regardé vraiment. On a d'autres ressources, ça je m'en souvenais. Ça je m'en souvenais. Un canon. Un autre pétard. Trop de choses. Ce qui veut dire maintenant la défense. C'est rempli. Bien rempli. Que se passe-t-il lorsqu'une Tesla devient méga? Ces arcs électriques infligent d'importants dégâts aux unités les plus résistantes. Ça va faire mal! Puis le P.K. Sachez que le P.K. Le nouveau P.K. Bien évidemment, c'est un P.K. électrique. Si je regarde là. De l'énergie installe prêt à se déchaîner. Émane de cette sombre armure, le P.K. électrique. Sachez qu'il va y avoir, bien évidemment, au courant de l'année, je ne sais pas quand, l'hôtel de ville de niveau 12. Si il y a l'hôtel de ville de niveau 12, je ne sais pas si je vais améliorer mon hôtel de ville au niveau 12 aussi, parce que ça ne tente pas d'attendre. Ah oui, vous l'avez pas vu. Je suis rendu champion 2. Pour un bonus de 225 000 or élixir et 1400 élixir noir. La prochaine ligue est c'est un gain de 250 000 or et argent et 1580 élixir noir. Sachez, pour augmenter, faut être avoir 1800. Pour 1800 trophées pour aller champion 1. Là, je suis champion 2. 3500 trophées. Sachez que j'ai
peut attaquer. C'est pour regarder là. Je l'ai eu ici. Je l'ai vraiment eu avec ces deux-là. Tous les trophées que j'ai eu, c'est du monde qui se débarrasse de leurs trophées. La majorité. Bien évidemment. Parce que. Ici, ils ont attaqué un peu. Ici, ça a été une attaque complète. Ben, une des seules. Ou voir la seule. Le monde font juste se débarrasser de leur trophée dans mon village. Bon, je me plains pas de ça par contre. Au contraire, j'ai pu monter au champion 2. Mon record est de 3540. De 3562, quoi, c'est là c'est en ce moment. Bon, aujourd'hui, j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Ça, c'était la première chose à vous annoncer. Mais j'ai quelques nouvelles à vous annoncer qui datent un tout petit peu, mais pas plus grave que ça. Je vais vous le dire le mois passé, mais c'est ça. Le mois passé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un live, ça. Qui a bien été, malgré tout, malgré les problèmes techniques. J'ai compris pourquoi maintenant. Hein, le micro était fini. Je l'ai expliqué le lendemain, je me trompe pas. Ben, l'autre vidéo de Clash of Clans, je l'ai expliqué. Mon micro était mort. J'ai essayé même après ça. Non, mon micro est vraiment mort, mes écouteurs sont finis. J'entends encore correctement, mais il commence à être fini, mes écouteurs. Alors, du coup, j'ai changé d'écouteur. Ouais. J'ai acheté de nouveaux écouteurs, bah, micro-casque. Plutôt. Si vous voulez savoir c'est quoi la marque, c'est Turtle Beach. Oui, ça a l'air que c'est des bonnes écouteurs. Ça a l'air comme que j'ai pu, j'ai demandé la différence entre ces écouteurs, ce micro-casque et l'ancien. Ça a l'air qu'il y a moins d'écho. Alors, si et un jour, dans je sais pas combien de temps, il devrait me lâcher. Par contre, je vais rester avec cette marque. À moins d'avoir une marque plus récente, peu importe. Ça, c'est une autre histoire. Mais je vais juste vous dire. La vidéo Upcore, je sais, j'en ai parlé un peu, est présentement terminée. Je sais que au mois de janvier, j'aurais été supposé l'en faire, mais j'ai eu des problèmes techniques. Donc, j'ai pas pu avoir la vidéo. Faire de vidéo. Mais ça change absolument rien parce que la série est terminée. J'ai fait la dernière de la série qui était un des meilleurs moments des 20 vidéos de la série. Et ouais, c'est fini. La série est terminée. Bon, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 arbres à sous. Puis 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 feux d'artifice. Qui est bien. Pas très drôle. Que si on l'enlève, il reste là, puis il attaque l'ennemi. Ça aurait été tellement drôle. Sinon, autre chose, une petite chose par rapport là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la température depuis quelques temps, il fait trop chaud. Pour moi, il fait trop chaud, du moins. Il fait très chaud depuis quelques temps. Quand je trouve très chaud, c'est en haut de 0 degré. Qui persiste depuis un petit bout. Qui va persister encore un petit bout, malheureusement. Je trouve ça inquiétant. Parce que c'est la première année, je vais vous expliquer les trois. C'est comme un mélange des trois dernières années. Il y a 3 ans, c'était une année très fraîche. Janvier, février, faisait très frais. C'est pas mal ça. Il y a 2 ans, c'était une année dégueulasse. Il neige, il pleut. Il neige, il pleut. Tout le long. L'année passée, c'est une année qui a eu pas mal de neige. Et cette année, c'est un mélange des trois. Sans prendre. Il neige, il pleut, il neige, il pleut. Mais une année doux. Il y a eu un gros frais au début. Après ça, c'est correct, après ça, ça a tombé, puis là, ça a tombé, ça a remonté, plutôt, ça a remonté d'un d'aplomb pour un petit bout, là, encore. Je trouve ça très dommage, puis on est encore en hiver, on est encore au beau milieu de l'hiver quand ça a commencé, puis persister.
Là, celle-là, que la marmotte a eu raison. L'hiver est pas longue. Le printemps arrive déjà. Je veux dire, hey, c'est rendu qu'il y avait pratiquement plus de neige. Il restait encore de la neige, mais très peu. Je trouve ça inquiétant parce qu'on repense au réchauffement climatique. Ça se ressent énormément. Faudrait à un moment donné qu'on se décide vraiment là, de changer nos habitudes et de moins consommer d'énergie qui pourrait réchauffer la planète. Si tout le monde ferait ça, ça serait idéal. Mais on sait qu'on est dans une société de consommation. Qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que nous. Même moi-même, c'est plus fort que moi des fois. Mais il faudrait faire ça quand même. Je vais attaquer. Inévitablement, Clash of Clans sans attaque. Sans attaque, c'est pas Clash of Clans. Malgré que je pourrais le faire. Je sais pas si vous allez entendre, mais je m'arrange pas pour ce que vous attendez. Sinon, désolé. Avec le changement de micro, c'est plus la même affaire. Autre chose que je voulais vous parler, si vous voulez, par contre, écoutez plus de Shadowverse. Ouais. Si vous voulez écouter des vidéos de Shadowverse, sachez que la série est disponible, plus disponible sur cette chaîne, mais elle est disponible sur ma seconde chaîne, dont Légendaire MMCL, si vous êtes intéressé. Bon, on est de retour. Désolé, j'ai eu un problème technique. J'ai arrêté d'enregistrer tout seul. Je sais pas pourquoi. Ça l'a arrêté, mais ça l'a arrêté tout seul d'enregistrer. Qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que pour la série Shadowverse, vous pouvez maintenant écouter sur ma chaîne. J'en fais peut-être une par mois, une vidéo par mois, que ce soit Shadowverse ou je vais continuer aussi la série Minecraft. Je ne sais plus qu'est-ce que je faisais. Mais c'est ça que je suis en train de dire avant que ça coupe. J'ai pas eu l'attaque. Ça, je peux vous dire. La misère. Le monde, on dirait que ça s'améliore, ils font très mal. C'est pour ça qu'il faut que j'améliore tout. C'est sûr que j'ai un petit handicap là. C'est sûr. Autre chose que je voulais vous dire, c'est à propos du logo. Si vous avez remarqué, depuis janvier, j'ai changé de logo. Depuis début janvier, à peu près. Un peu après le retour des vacances, j'ai. Est-ce que ça a changé? Puis c'est le nouveau logo officiel que j'en ai parlé. Vite, vite, les meilleurs moments du mois de décembre et janvier. C'est vraiment le nouveau logo officiel. Je te remercie encore, Lacoste Expert, pour ce logo que j'aime bien. Du coup, ça se peut que je refasse un chandail. Ouais. Je risque de refaire deux chandails. Un pour moi, puis un pour un concours, le tirer. Un peu comme l'autre chandail, mais cette fois-ci avec le nouveau logo. Sachez que ces chandails seront uniques. Il n'y en aura pas d'autres. Parce que je vais vous expliquer une affaire. Sachez que en ce moment, j'ai une boutique, un magasin de vêtements. C'est internet donc là on peut faire ça sans problème. Il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont déjà fait. Je me suis dit pourquoi pas moi avec. De toute façon, on m'avait déjà demandé. Je sais plus comment ça s'appelle l'affaire. Mais c'est une affaire où que beaucoup de youtubeurs font des chandails à partir de là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours. En ce moment, il est ouvert depuis quelques mois. Que j'ai ouvert uniquement sur mon Discord. Donc, que toutes les plateformes sont sur Discord. Mais là, cette fois-ci, j'ai goût d'officialiser ceci. Au lieu que ça soit sur le Discord, que ça ne soit plus sur le Discord. Que ça soit officiel. Cette fois, parce que je ne tombe pas d'attente, tout simplement. Tomber la misère! C'est incroyable. Comment que j'ai de la misère? Hey, ça fait longtemps que j'ai pas été à 3000 trophées. Le monde se sont améliorés en plus de ça avec le nouveau PK et tout.
Ah, ça va coûter cher. Mais sachez que je veux augmenter les niveaux. La barre des ouvriers au niveau 8. Ça, c'est sûr. Là, en ce moment, je suis en train d'améliorer ceci. Au niveau. Au même niveau que lui, au niveau 7. Après ça, j'améliore ceci, le canon géant. Ensuite, j'améliore. La maison des ouvriers. Pour ensuite améliorer le multimortier. Et ouais, je vais améliorer le multimortier. Ça va prendre 5 jours. C'est long. En ce moment, je suis en train d'améliorer la sorcière de la nuit au niveau 14. Parce que je vais tout améliorer ça. De toute façon, il va y avoir d'autres affaires à améliorer. De toute façon. Probablement. On va voir dans les meilleurs. Dans les meilleurs mondiaux. Allons voir lui. Voici que ça a de l'air. Ouf, le méga Tesla de niveau 8. Il a jamais, ça c'est sûr, il a jamais. C'est un gémeur, c'est sûr. Il a le canon géant, il a le broyeur qui ressemble à ce que ça ressemble. Maintenant, c'est disponible jusqu'au niveau 25. Les doubles canons, bombe aérienne. Maintenant, ici, il y a deux lentilles supplémentaires, il me semble. Je ne sais même pas qu'il y avait eu deux lentilles. Il me semble que c'était juste la grosse lentille, maintenant il y a deux autres lentilles. C'est ça, à peu près ça que ça ressemble. On se rappelle du canon niveau 8, les niveaux 9, ils vont mettre une barre de plus. Niveau 10 va être complètement en or. Et c'est tout de suite un peu exactement comme le village normal. Probablement ils vont faire ça. Ils se cassent pas la tête pour ça. Et avec les mines aussi. Et les extracteurs. Les réservoirs élixir, la même affaire. Il se casse pas la tête avec ça, on dirait. Oh, c'est ça que ça a l'air, le rôtissoir de niveau 8. Ah! Intéressant. La mine de gemme, j'aimerais ça voir que ça a l'air par contre. Mais comme que je vous disais, le lien sera dans la description de cette vidéo. Le lien pour acheter des chandails si vous êtes intéressé. Puis sera dans les après ça, le lien sera dans les à propos. Serait personne ne l'a amélioré. On tout amélioré les fans ou et tout, mais mine de j'aime. On dirait qu'il n'y a pas un fou qui l'a amélioré. Très bien. Que quelqu'un l'ait amélioré. Oh! Voilà! Voilà à quoi qu ressemble le. La mine de j'aime de niveau 8. Et mon dieu! Ouais, il y en a du monde qui l'a amélioré. Ah. Ah, c'est ça que ça a l'air, même les remparts de niveau 8. C'est-à-dire, lui a tout amélioré, c'est un gemmeur ou ça, quelqu'un qui a de l'argent. Un gemmeur. Beaucoup de mondiales sont des gemmeurs. Dans les premiers mondiales, beaucoup sont des gemmeurs. On s'entend. Ou qui ont accumulé tellement d'argent, puis qui après ça, ils gèment toutes leurs affaires pour quand il y a des mises à jour. Ça arrive aussi. C'est intéressant. Je sais pas comment attaquer pour rendre là. Quoi. Ça fait mal. Imagine ça, comment ça doit faire mal. Ah, j'ai pas hâte pour ça, par contre. Ah, pour ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo dont nous allons attaquer à l'instant. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi sur mon serveur Discord dont le lien est à la même place. Donc tout le monde est le bienvenu. Ah, ça c'est correct ça. Bref, on a une victoire. Ça n'est pas beaucoup depuis quelques jours. Je me fais plus savoir que d'autres choses depuis quelques jours. Tu m'énerves des fois la machine de combo. Il est fini. Oh, même pas, il a survécu. Hein? Je pensais qu'il survivrait pas. Honnêtement, je pensais qu'il n'aurait pas survécu. Bon. Là, ça va être vraiment
tout. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Le mois prochain, probablement. Puis n'oubliez pas, par contre, que mardi, il va y avoir une vidéo quand même assez sérieuse. Je vous invite à l'écouter fortement. Parce que j'aurai deux questions à vous demander. Une principalement, l'autre une autre histoire. Je vais vous l'expliquer de toute façon avec une victoire. Yeah! Je vais vous l'expliquer de toute façon par la suite. Dans 12 heures, à 7 h du matin et demain, il va être prêt. Yeah. Parce qu'il est 7 h et demi du soir. Même pas. 8 h du matin demain, il va être prêt. 8 h. Je vous le dis ça. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.